Bon, voilà, nous allons recommencer. Bon, bonsoir à tous, bonjour. On va s'en aller à laquelle vous regardez la vidéo. Nous allons continuer avec notre projet. Bon, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, le projet essaiera de toucher 90% de ce que nous avons vu jusqu'ici. Nous allons essayer d'implémenter un transport de marchandises, un achat de marchandises entre vendeurs et clients et la gestion des stocks, quoi. Vérifier le stock s'il y a assez de marchandises dans les stocks et ajouter ou réduire le stock, ajouter ou utiliser des ou retirer des utilisateurs ou alors vérifier si un utilisateur est un vendeur ou un acheteur, quoi. Donc ce serait un peu ça le but de notre projet, quoi, pour mieux appréhender ce que nous avons appris jusqu'ici. Bon, commençons. Le nom de notre contrat s'appelle transport de marchandises, quoi, et nous allons commencer par créer une adresse d'utilisateur, quoi. Alors, ça c'est l'utilisateur principal. Bon, je déclare déjà cette deux adresses privates. Bon, le owner, tout le monde pourra avoir le owner. Et compte, et c'est la garantie. Ce sont les compteurs que j'ai vu utiliser plus bas, quoi. Bon, je déclare déjà mes variables private pour que de l'extérieur, quelqu'un ne puisse pas les voir, quoi. Ok. Nous allons créer notre constructeur. Pour initialiser nos variables, bon, pour initialiser nos variables, quoi.
dans la base, notre shipping status est égal à pending. Ok. Utilisateur principal, c'est le message sender. Alors, le premier count, nous allons le mettre à 0. Et le second aussi, c'est le count pour compter le nombre de vendeurs, nous le mettons aussi à 0. Donc voilà pour cette première partie. Nous avons initialisé nos variables, nous créé nos variables et nous les avons initialisées dans le contrôleur, dans le constructeur. Donc dès que nous allons démarrer le programme, voilà les valeurs qu'ils vont prendre au départ. Donc, nous allons créer un modifier à la prochaine étape, et vous savez déjà quoi c'est un modifier si vous ne savez pas. Et il serait préférable de regarder la vidéo précédente sur les modifiers, parce que ici je ne reviendrai pas dessus. Restricted M quoi, mais sachez déjà ça à voir avec qui a le droit de faire quoi ou pas. Ok. Ok, voilà comment est-ce qu'on déclare notre modifier quoi. Comme vous l'avez pu le lire, voilà un peu ce que fait notre restrict, notre fonction, notre modifier. Ok, donc c'est une manière aussi chouette d'utiliser le require quoi. Donc vous pouvez juste le mettre ici dans un modifier, et puis à chaque fois on n'a pas besoin de mettre require partout. Bon, je crois que nous allons d'abord arrêter ainsi pour cette partie-ci, que la vidéo ne soit pas trop longue, et puis nous allons implémenter la partie déplacer le paquet quoi. Donc prochaine vidéo, merci.